Et oui, bonjour à tous, bonjour YouTube, incroyable, nouveau Quackest aujourd'hui consacré à Forager, forager en français hein, évidemment. Donc on va jouer à Forager, un jeu où j'aurai l'occasion et l'occasion je dirais même de rager et de crier, semble-t-il. Ça on adore à la rédac, évidemment. Ah, je suis là pour la pause de Shiva qui a eu un week-end très compliqué, hein, vous avez loupé ça. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher des cœurs sur le chat et des commentaires qui seront adressés à Shiva, n'hésitez pas. Dans l'espace commentaire sous la vidéo, à lâcher des informations que je relayerai en effet à Shiva. N'hésitez pas, s'il y a 100 cœurs sous la vidéo, Shiva reprend les vidéos. Donc n'hésitez pas. à 100 likes. à 100 likes, Shiva reprend, reprend les vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo et la partager surtout. Putain, salut Keitaro. cette enflure. Oh, cette arnaque moldave la plus totale. Bon allez, on va jouer à un jeu vidéo. Ah, les cœurs sont présents, c'est beau. On va jouer à Forager, c'est parti. Alors j'ai jamais joué, je sais pas comment on fait, mais je pense que tout va bien se passer. Et avant, on va se droguer, donc à la vôtre, hein, n'hésitez pas à prendre votre Ventoline si vous aussi vous êtes asthmatique. Ah, je vais pouvoir respirer. En parlant de reprise, toujours pas de nouvelles d'Orange. Oh là là, quel enfer. J'espère qu'ils t'ont pas appelé sur ton téléphone. Ouais, c'est bon, on rigole. On taquine, on rigole. Bah, allez, on va jouer au jeu parce que les gens ils vont comprendre que. Alors, on va prendre la partie du milieu. Ok, ouvrir le menu avec Escape. Ok, putain, je vois rien, je vois tellement rien. Il est où le tuto? Construire. Industrie. Je peux construire un fourneau pour 0 pierre. Il me faut 10 pierres. Commençons par construire un fourneau. Ouais, j'ai compris. Hop. J'ai gagné l'expérience et j'ai gagné 3 pierres. Attendez, ZQSD. Ah voilà, nice. Je pourrais s'appuyer? Ah ouais, nice. Je suis pas obligé de cliquer comme un connard. Oh, ça c'est pas de la pierre, ça. C'est du diamant, c'est dans Minecraft. C'est du fer, d'accord. Est-ce qu'il faut que j'aille les ramasser après? Oh. Si, si, j'avais un... Si, si, bah, j'ai un super store pour mon Velux. Mais en fait, c'est que l'éclairage est pas ouf. Alors du coup, j'ai combien là? J'ai assez pour faire mon fourneau? Oui. Alors je vais le mettre là dans ce petit coin. Dorénavant, il va falloir que je... Alors qu'est-ce que ça me sert à quoi le fourneau? On sait pas. Le fer, il me faut des lingots de fer. Bah, ça va me servir à... Je suppose, c'est comme dans Minecraft, à niquer les minerais de fer pour en faire ben, des lingots de fer. Il m'en faut 4. Donc je vais aller récupérer du fer. J'ai tout compris au jeu. Ah, c'est le Star du Valais, c'est ça. Alors ça va, le jeu est suffisamment coloré. Je peine un peu à la lecture, mais ça c'est pour votre plus grand plaisir. Sinon, on pourrait réussir le tuto. Et si on réussit le tuto, eh ben ça va se voir que j'ai progressé. Je suis déjà 5 minutes dans le passé, au secours, putain, quel enfer. Oh, cette connexion. Alors j'ai moult fer. Nous allons tenter d'utiliser le fournal. Putain, il y a un arbre devant mon fournal. Ah voilà, lingot de fer. Il me faut du fer, je vais en fabriquer. Et du charbon. Comment je fais du charbon avec du bois? Allons, je prends du bois. D'ailleurs, je vais prendre celui-là. Il n'y a pas de tuto en vrai, ce jeu est fait pour toi. Parfait, je vais être trop fort au jeu. Alors attendez, je prends un peu de bois pour faire du charbon. Par contre, ça fait un peu psychopathe ton avatar. Ah, bon, j'ai rien choisi, bon, vous savez. Ok, donc je peux faire du charblol. Fois un seulement, et on attend la petite rosace. Ah, cette petite musique chill. Oh, un seul. Je vais en faire plusieurs. Ah ouais, je peux en faire, bah, je vais en faire 3. Pendant ce temps, je prends ça. Je prends ça. Là-haut, il y a peut-être ma barre de vie, là, non? C'est une barre de faim, en haut à gauche? Peut-être. Du coup, je vais prendre des berries. Des riberries. des riberries. ouais, désolé. Ok, j'ai mon charbon, je peux faire mes lingots de fer. J'en possède 0. Je crois qu'il m'en fallait 2. Ouais, c'est la fin, exactement. Il y a directement du charbon en haut à gauche. Ah putain, nice. Putain, vous êtes trop fort. En fait, il suffit de rien expliquer, t'y arrives tout seul. Ah putain, je suis tellement bloqué par les temps. Et du coup, quand j'ai plus d'énergie, je perds de la life. On est énergie au plus bas. Et alors? Ça fait quoi? Bon, je vais manger des riberies.
Ok. Ok, le fer, c'est ok. Il me fallait des briques. Et il me faut encore du charbon. Ok, ça a l'air tranquille comme jeu, c'est parfait. Hein. Pour cette journée où je suis fatigué. Oh là là, je suis si fatigué. Ok, les briques. Les briques, c'est ok. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me faut exactement pour pouvoir construire cette petite industrie forge? 4 lingots de fer, finalement, hein, et 4 briques. 4 et 4. 4 et 4, 8. Tout est clair. Tu peux rester appuyé pour manger, d'accord. Oh, je suis niveau 2! Point de compétence! Oh! Oh là, c'est un RPG! Oh, c'est Hotline Miami! J'ai pris de la drogue! Ah, oh, je peux être un pro de la cueillette, un pro de l'économie ou un pro de la magie. Un petit pro de la cueillette. Fréquence d'apparition du coton accru, permet de trouver du blé, permet de trouver des betteraves. Industrie, débloque l'acier, débloque le verre. Économie, rapporte immédiatement 40 pièces. Magie, permet de trouver des pièces. Oh, vous savez, j'aime l'argent. J'aime l'argent, j'aime les subs. Et aujourd'hui, hein, rappelez-vous, hein, tout sub et tout don compte double. Alors, alors, je vais trouver des pièces, du coup. Ça me paraît génial. Worst idea ever. Éclat, inscription. On verra ça plus tard. Le jeu... Oh, qu'est-ce qui quoi? Pourquoi je vois plus rien? Pourquoi il fait nuit? C'est le cycle jour-nuit? Non, ça compte pas double, c'est des conneries. Elles qu'elles viennent. Alors du coup, non, charbon c'était ok tiers ou pas? Brique, il m'en faut deux, donc... Ah non, il me faut full charbon. Oh bah je vais faire 8 charbons. Et donc du coup, ça sert à... si on a énergie zéro, il se passe quoi exactement? On a plus. Oh là là, c'est la nuit, c'est chiant. Parce que quand je suis passé niveau 2, mon énergie au plus bas, ouais, mais ça, il se passe quoi quand j'ai plus d'énergie? C'est un game over? Attendez, je ferais bien de manger. Je mets 8 ans, c'est ça? C'est juste que je suis plus lent, hein, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Non. Je sais pas. Ah, il y a une luciole. Oh, j'ai gagné 10 XP. Oh, je suis jaune. J'ai la jaunisse. Au secours. J'ai trop bu. J'ai trop bu de speed. J'ai chopé une jaunisse. Bon, alors, ça, c'est ok. Oh, du fer. Putain, je vois pas le cirque. Le cycle jour-nuit d'afficher sur le E. Est-ce qu'on a fait nos briques? Il en manque une. Bon, une seule, ça suffit. Ah, une luciole. Pourquoi je peux pas la... Je veux l'attraper, il me faut un filet comme dans Zelda. Lingot de fer, j'en ai deux, il m'en faut encore deux de plus. Poum, 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 poum. Quelle ambiance. Ça me stresse, ça. Ok, alors, menu construction... Équipement, compétences, il y a les hauts faits, d'accord, il y a les outils et armes, ok. Il y a des trésors à trouver, des accessoires, des artefacts. C'est incroyable. Acheter un terrain, configuration, construire. Industrie, forge. Est-ce que je peux la mettre à côté? Ça va me bloquer le chemin ou pas? Oh, il y a un poste de couture. Je vais pouvoir faire des robes. Forge permet de faire des pièces. Des clefs. Ah, des bouteilles. Il me faut du verre et du fil. Ah, ça y est, il commence à refaire jour. Oh, de l'or. De l'or, merci. Ouais, c'est ça. De la pierre. Ok, donc on va pouvoir faire moult choses. Chaque fois que je... Ouais, chaque fois que je récupère, chaque fois que je forage, je gagne de l'XP. Pour mettre la fée verte en bouteille, exactement. Oh, de l'or, merci.
directement intéressé par les bouteilles. Ouais, écoutez. Oh, niveau 3. Yes. Alors, attention, on va prendre le point de compétence. Alors, je suis dans la branche magie, moi. Magie, et mes idées ont du génie. Donc, du coup, éclat. 20% d'XP en plus. Alors voilà, en fait, finalement, le best buy ever, c'était de prendre magie pour avoir éclat. Donc ça, c'est ma petite info. Ça vous permettra d'XP beaucoup plus vite. C'était l'instant tuto. Et sinon, je peux faire quoi? Inscription. Débloque les tables d'inscription. Sauf que si je fais ça, eh bien, en fait, je vais pas débloquer le coton, par exemple. Ou je vais pas débloquer le vert. Mais vu que je vais la bouteille pour la fée verte, eh bien, en fait, je vais prendre industrie. Mais si j'avais pris ça, j'aurais eu ça très rapidement parce que j'avais 1% d'XP en plus. Vous avez suivi ou pas? Mais là, faudrait pas que je joue bien, sinon ça va se voir et les viewers vont se barrer. Merci en tout cas aux 9000 personnes déjà présentes sur ce stream. Une notoriété croissante hein, sur ce jour de lundi de Pâques. Merci à vous. N'oubliez pas, ça compte double. Alors, ok. Bah pour faire des pièces, il me faut des lingots d'or. Ok. Pour faire une clé, il faut des lingots de fer, des lingots d'or. La pioche visqueuse, il me faut des gelées. Et la bouteille, il me faut du verre, du fil. Oh, je peux déjà faire l'acier. Il me faut du sable pour ça, ok. Et en termes de construction, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans l'agriculture, je peux faire des ponts et des nasses. Dans l'économie, je peux rien faire. Et dans la magie, je peux rien faire. Et je pourrais faire un poste de couture plus tard, quand j'aurai les fibres. Mais pour l'instant, j'ai pas les fibres. J'ai pas la fibre maternelle. Alors, du coup, je peux faire des lingots d'or. Allez, je vais faire des lingots d'or. Ça compte double, on est que 4500 en vrai. C'est ça. Allez, on va manger. Je viens de manger un petit quelque chose. Ils sont foirés. Alors, oh, j'ai trouvé des agrumes. Oh, je vais pouvoir me faire un Schweppes agrumes. Nice. Parfait. Ok, de l'or. Je vais essayer de me faire une pièce. Me faire de l'argent avec mon gold. Je vais fabriquer 3 pièces d'or. Ça a l'air de servir strictement à rien. Donc c'est parfait. Bon. En effet, ça sert à rien d'avoir de l'or. Putain, mais quand il explose les buissons, ça fait un son de ouf, quoi. Oh, du charbon. Du charblol. Oh, c'est Minecraft, finalement. Donc ça me sert à rien, d'accord. J'ai fait des pièces et ça me sert à... L'acier, c'est à base de lingots de fer. Et salut Keken, comment ça va? Alors, Keken, c'est aussi un pro du jeu, je crois. Eh oui, enfin, tu es présent. Quel plaisir. Keken qui vous fait souvent des coucous depuis les commentaires YouTube. Ok. J'ai fait des lingots de fer, c'est génial. Oh non, il va refaire nuit, j'ai pas ma bouteille. Putain, je vois rien, c'est relou. Je comprends pas, je n'ai que 30 heures en 30 jours. Ah, un peu comme moi sur Fate. Regardez! Sur Fate Hunters, 20 heures en 2 jours. Oh, du diamant! Enfin, c'est pas du diamant, mais. Bon, alors, quelle est l'étape suivante? Cette pex pour pouvoir débloquer. Ouais, pourtant, j'avais pris le truc qui débloque je sais plus quelle ressource, le verre. Mais il me faut du sable pour faire du verre, je sais pas quoi. Fait des nasses à poison, c'est utile. D'accord. Ah oui, c'est vrai que là, dans construire, je peux faire agriculture. Et ça sert à quoi?
Qu'est-ce que c'est que ça? Et je les ai construits avec quoi? À quoi ça sert? Bois et des baies. Ah oui, d'accord. Bon, j'en ai fait plein. Mais maintenant, faut que je retourne chercher des baies. Parce que j'ai gaspillé toute ma nourriture là-dedans. Tu dois les acheter. Alors on peut acheter d'autres trucs. J'ai vu qu'on pouvait acheter des terrains. Allez, on va faire le truc pour PEX plus vite. Ok, ça marche. Allez, on prend l'éclat. L'éclat de génie. Oh putain, combat. Alchimie. Full metal alchimie. D'accord. Putain, on peut faire moult choses hein, dans le jeu encore. Et après, je les tape? Je les tape ou j'attends? Ok, faut attendre. Ça me paraît assez bizarre. Je vais refaire du charbon. Est-ce qu'il y a de la nourriture qui a pop? Putain, elle... ah oui, là. Parce que moi, je vais bientôt avoir faim. Je vois rien. Là-bas. Alors, heureusement qu'il y a les pros du jeu. Encore des agrumes. C'est vrai que je peux manger les agrumes, hein. Si j'ai vraiment faim. Plus 12 d'énergie, valeur 1, valeur 6. Ah oui, il y a de la... Tout a des coûts en pognon. Nice. Bon alors, quel est mon objectif, là? Parce que là, on fait des trucs, mais ça sert à rien. Je peux... Bah non, parce que je peux pas faire le poste de couture. Je peux faire le pont, d'accord. Je peux pas faire ça. Un buisson là-haut, nice. Ça prend la place pour le pop de ressources. Ah ouais, d'accord. En fait, faut tout défoncer, quoi. Un petit flutio qui nous rappellera Secret of... Non, Illusion of Time sur Super NES. Ton but est d'acheter une nouvelle île, d'accord. Alors attends, maintenant qu'on est en lumière, voilà, on voit mieux, ça me coûte 60 balles, 30 balles, 50 balles, 30 balles, 70 balles, ok, 30 balles, il me faut 30 balles, ok, ça je sais faire, l'argent c'est mon truc, regardez, non, pas tant que ça en fait, ah, aucune prise, une prise, moi je suis négatif, ah oui, d'accord, j'ai juste à faire E et ça reste forever. J'ai des algues, j'ai du sable, nice. J'ai de l'or, merci. C'est bon. Ouais, j'ai vu qu'on pouvait faire des pièces avec de l'or. J'en ai déjà fait quelques-unes. Et encore 4 pièces. Ah oui, faut faire les nasses, en effet. Merci pour l'info. Hein. Je ferais bien de manger un truc. Oh, ce jeu, tu t'arrêtes jamais de jouer, tu t'arrêtes jamais de farmer, c'est incroyable. Je vais devenir chinois. C'est raciste. Oh, je vais avoir des problèmes encore. Merde, je vais me faire ban 2 jours. Désolé, à bientôt. Hein. Mange algues ou poisson. Oh, oui, c'est vrai. Parce que du coup, faut garder les baies pour faire des nasses. Ok, donc là, je peux rien faire. Je vais refaire des lingots d'or. Non, c'est le chanteur. Oh, vous êtes fatigant. Plus 8 d'énergie, les algues. Acheter un terrain. Ah oui, on me dit... Ah, je peux déjà acheter un terrain? J'avais tellement de sous. Ah oui, en bas. Oh, j'ai un nouveau terrain. Nice. Niveau 5. Moi, c'est mes droïdes qui bossent. C'est fou, ça. Compétences. Alors, tout est important, m'a dit. Cueillette.
Bon, je vais faire les premiers, la base de chacune des branches de technologie. Bûcheronnage, récolte. Ah ouais, mais il y a trop de trucs dans le jeu, on s'arrête jamais. Oh là là, on joue à ça, en fait, après, il n'y a plus le soleil, et on se rend compte que le fond vert est dégueulasse. Parce qu'on a joué 8 heures, c'est ça? Heureusement, je dois m'en aller à 16 heures. Hein. Parce que sinon... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du blé qui pousse? Ah, du blé, on peut faire de la bière? Meilleur jeu ever. Si on peut pêcher et faire de la bière, c'est meilleur jeu ever. Moi, je vous garantis, déjà, je lui mets 4 chopes sur 5, déjà. Alors, Ah, un truc, là! Tiens! Ok, j'ai niqué. Très bien. Oh, je vais bientôt pouvoir faire ça, du coup, avec des lingots de fer. Et les bouteilles. Ah, il me faut du fil. Oh, oui, ça piège. Oui, une prise. Un petit poisson. Poisson, poisson. Nice. Ok, mais... Oh, du blé! Ou de... je sais pas quoi. Non, c'est du coton, ça. Non, c'est de la fibre. La fibre paternelle. Alors, avec la fibre, on pouvait faire... Mais toi, ça s'arrête pas! Je peux pas me concentrer, j'ai envie de tout looter. Ok. Oh, je suis excité, je suis fatigué, je suis désolé. Toutes mes excuses aux familles. Le poisson. Ah, mon inventaire est limité. Oh, il fait déjà nuit. Attendez, je vais prendre le charbon. Ok, merci pour toutes les infos. Je peux faire du verre, du coup. Il manque encore du sable. Mais on avait dit qu'il me fallait des lingots de fer. Ah, sélectionner Max avec clic droit. Parfait, ça. Oh, hop, gâtard! Tu veux te battre? Tiens! Il faut que je refasse des nasses. Est-ce que je peux faire d'autres nas? Construire. Agriculture, nas. Ah, il manque des baies, il manque moult baies. Et le poste de couture, il me faut des briques. 4 briques. Ah, je vais faire le poste de couture, 4 briques. 4 briques. 40 000 balles quand même. 4. Ok, d'accord. Ah, on m'a dit faut pas jouer à la manette. Ah, une petite fleur. Avec le menuing, ça peut... Ouais, ça dépend. Je pense que c'est une question de goût, comme d'habitude. 17 000 personnes, bonjour, bravo à tous. Ah, j'ai gagné une petite fleur. Je vais pouvoir offrir une fleur à ma femme. Elle va être contente. Super. J'ai mes poisson. Mon inventaire est plein. Je mange une algue alors. Poisson. Okay. Et donc du coup on a dit qu'on construisait le poste de couture. Est-ce que je peux le mettre juste derrière? Oui, c'est bon. Poste de couture qui me permet de faire du fil avec des fibres. Ouais, c'est contrôle pour le max, bien vu. Ah, le multi est en discussion. Oh, c'est fini. Au secours. Petit côté Stardew Valley en multi. Du coup, je fais du fil, mais ça va me servir à quoi? Je sais pas. Je peux faire des pièces d'or, on s'en fout. Les clés, à quoi ça me sert? Pour le moment, on sait pas. Pioche visqueuse, pas encore. Et bouteille, il me faut du verre. Des heures de farm en prévision, moi, j'avoue. Bon, faut que j'enlève tout ce bois. Hein. Faut déboiser. Il faudra un préposé au déboisage hein, en multi. Hein. Ok. Ah, je suis épuisé. Vite, il me faut que je mange du poisson. Ok. Ah, une prise. Parfait. J'ai combien? J'ai 26 balles. Ah bah ça c'est cool. Des baies. J'en ai pas encore assez.
Donc ouais, l'objectif c'est de savoir justement quels sont nos objectifs. Ok. Encore une fleur. Qu'est-ce que je fais du coup? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? J'ai déjà construit tous ces trucs là. L'agriculture, j'ai rien de plus à construire. Donc faudrait que je vois à quoi servent les clés. Putain, deux lingots d'or. Est-ce que je peux faire des lingots d'or? On va voir ça. Ah! Putain, ça me fait peur, putain, dès que je level up. C'est effrayant de level up dans ce jeu. Spoiler, les piliers sur la seconde île, c'est une énigme. Ok. D'accord, ok, ça marche. Alors, récolte, ça fait quoi? 4 emplacements d'inventaire en plus. Nice! Ah oui, bah oui, mais il me faut ça. Alors, normalement, on regarde tout, hein. On regarde tout pour savoir ce qui est le mieux, mais moi, je suis pressé. Allez, on va faire fondre l'or. 8 lingots d'or, nice. C'est une énigme. W. Qu'est-ce que c'est que cette énigme? Je conseille vite les entrepôts. Ah oui, non, oui, c'est une... Ah oui, du coup, faut le débloquer les entrepôts, du coup. C'est quoi? C'est un W? C'est un T? C'est un I? C'est un je sais pas quoi? Ah, c'est le nombre de côtés. Il faut leur parler. Du plus petit au plus grand. Pas du tout. Attendez, je vais récupérer ça. Pas du tout. Moi, je peux refaire une nasse. Je crois. Oui. Ah oui, nice. Lui, il me faut... Oh, pute. C'est bon. Ça me fait que 3 jolis. Il m'en faut 4, me semble-t-il. Ouais. Après, il faut que je fasse des lingots de fer. Ouais, je fais des lingots de fer. Oh, une betterave. Salut, Dranek. Quel est ce doux jeu facétieux, salut Dranek? C'est Forager. Forager du coup. C'est du Minecraft? Non, je sais pas. C'est un jeu de récolte de ressources où on ne s'arrête jamais. C'est incroyable. C'est chronophage alors que c'est complètement con comme style de jeu. Mais j'ai l'impression qu'on y passe 20 heures sans avoir vu qu'on avait passé 20 heures. Quel enfer. Il y a des lucioles que je peux attraper mais j'ai pas encore les bouteilles de verre. Eh oui, mais maintenant... Je peux faire ça. La pioche visqueuse. C'est Minecraft en roguelike. Ouais, c'est mignon. C'est le jeu de Humble Bundle, si j'ai bien compris. Salut Yukino. Un peu de blé, nice. Ah mais les slimes ils sont relous maintenant. Oh, il fait nuit. Oh, nouvelle pioche. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est la musique de Zelda, je connais. Pioche visqueuse. Les dégâts sont augmentés de 75%. 50% de gelée en plus quand vous tuez des gluants. Nice. Ouais, exactement, Dranek. Exactement. Oh, ça me l'a équipé tout de suite. Faut que je mange du poisson et des algues. On mange des maquis. Ok. Alors, du coup, on n'a pas habité l'énigme. Tellement d'arbres. C'est sûr que c'est pas 15%. Ouais, peut-être, hein, j'ai mal lu. Vous savez, moi je sais pas encore bien lire. Apparemment, non, il y a. Enfin, il y a. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Hein, honnêtement, je découvre le jeu, donc. Il y a 2-3 experts du jeu dans le chat qui pourront probablement te répondre.
Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir... Les briques, ça ne me sert à rien. Lingot d'or, je peux pas. Alors, est-ce que je fais de l'acier? Non, j'en ferai que quand j'en aurai vraiment besoin. Il manque un peu de sable. Ah, mais si je me fais des pièces d'or... Je peux me faire 9 pièces d'or. Je vais m'en faire que 4. Pour le moment. Je vais garder mon or. Ah, il va falloir que j'aille à l'école avec lui. Hein. Oh, petit portefeuille, petit sac à dos. Avec du fil. Ah, nice. Faisons du fil. Ah, j'aurais pu en faire plus avec tout ça. Oui, c'est vrai que je peux faire des petits sacs à dos. Quoi? Oh putain, oui, je leur explose la gueule. Ah, maintenant j'ai du sable. Je vais pouvoir faire du verre. Mais je peux en faire qu'un. Quel enfer. Petit sac à dos. Fabriquer un petit sac à dos. Alors du coup j'aimerais comprendre l'énigme pour avoir le coffre. Alors si on a un coffre, il faut prévoir la clef. Et la clef, on peut la faire. Bon, je vais en faire une du coup. Est-ce que mon sac à dos est prêt? Pas encore. Bientôt du level up. Yes. Ajoute 4 emplacements d'inventaire. Nice. On en est où là? Ah oui, c'est pas mal. La clef. Ah, je peux choisir en bas de quoi je suis équipé. T'as la clef qui est plus grande que moi. Attention, hein, faut la lire. Faut la soulever. Et on pouvait faire également un petit portefeuille. Avec des lingots d'or et du fil. Sa farm, on n'arrête jamais. À aucun moment on peut s'arrêter de jouer, c'est incroyable. Allez, refais du fil. Bon, l'énigme, pendant qu'on est en pleine journée. C'est la clé de Mario World, exactement. Et alors quoi, c'est le nombre où ça pointe? Mais non, pas du tout. J'ai 2 baies en tout. Je sais pas. Wow, au niveau 7. Il va peut-être falloir réfléchir à ce qu'on va, on va augmenter. La couture, la menuiserie, le bûcheronnage, la pêche. La pêche. Les nasses prennent du poisson 50% plus vite. Débloque le poisson cuit. Débloque la pelle, débloque les moulins à vent, débloque le pain. Oh mais là ça sent l'arrivée vers la bière ça. Ça a l'air bien ça. Ok. Attendez, je vais enlever ça parce que ça me stresse. Putain, mais il y a tellement d'arbres, il y a pas quelqu'un qui peut venir pour déforester à ma place? Et est-ce qu'on peut à distance? Yes. Est-ce qu'on peut pouvoir les récolter? Pas du tout, si. Ah, je peux cliquer dessus pour les récolter? À une certaine distance, à 2 cases. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai vu que je pourrais faire? Ah oui, putain! Je peux faire du pain maintenant. Donc je vais avoir une nouvelle construction, je suppose. Pas dans l'industrie, on est d'accord, on est dans l'agriculture. Le moulin à vent, il faut 30 briques! Et moult fil. 30 briques! Wow. Grande brique. Oh, je suis Bobby là.
putain. Bon alors l'énigme là. Personne a une idée? Putain, je le défonce. Hein. Je peux plus. Ah, faut manger des algues. Dans le sens. Non. Y acheter. Oh nice. Oh le gros coffre. Oh le bouclier de Zelda. Pour faire 35% de chance d'esquiver les attaques. Et merci. Ah c'est dans les artefacts. Ok. Et donc si je veux acheter une nouvelle île. 270 balles, 60 balles. Là c'est que 50. Je peux. Ah bah attendez, il faut que je l'achète. Oh putain, faut que je fasse un pont. C'est un gros jeu de farm, en effet. Salut Pantouche. Alors, est-ce qu'on peut faire des petits ponts? Zboui? Zboui? Ah, j'ai besoin d'une clef, évidemment. C'était pour voir si... Oh putain, il appelle, ça sert à quoi? Putain, je dois faire trop de trucs. Oh, je peux faire une pioche en os. Il me faut des lingots de fer. 4 lingots de fer pour faire la clé d'abord. Je peux pas. Il me faut moult charbon. Ok. Une dizaine de charbon à faire. On s'arrête jamais. Avoir la fée, elle est gentille. Je meurs, destructeur de l'univers. Ah, il faut que je mange. Ah oui, ça, c'est un truc de ouf parce que ça s'arrête jamais en fait. À aucun moment on s'arrête. C'est un truc de ouf. Il y a toujours un truc à faire. Il est où le temps mort dans le jeu? Jamais. Du coton. On va pouvoir lancer du fil. Non. Attention, le menu ne fait pas de pause. D'accord. Et quand il y a les mobs. Un peu plus de gelé. Bon, les fleurs, pour le moment, ça ne sert à rien. Le blop. Du blé. Ah oui, on peut faire du pain avec le blé, c'est vrai. Du coup, on avait dit qu'il nous fallait 4 lingots de fer, ouais. Salut Blizzard! Comment vas-tu? Et donc tout ça pour faire une clé, ouais c'est ça. Je sais pas. On dirait que non. Non non, il reste là a priori. Alors, hop, on a ce qu'il faut pour la clef. Et c'est assez long à fabriquer. Ah mais c'est vrai que il me faut 50 milliards de briques là. Et il me faut encore plus de charbon. Je fais mon charbon. Ok, une clé. Wop, wop. Esquive. Oh, c'est esquive sur le bord du... des agrumes. Qu'est-ce que c'est? Une aide de chauve-souris. Vous récupérez des cœurs quand vous tuez des ennemis. Ah, je les ai vraiment sur moi? Ah oui! Oh, mon personnage se transforme! Tel Binding of Isaac. Ah, je vais devenir immonde. Mon énergie est au plus bas? Eh bien, nous allons manger. Ah, je peux refaire une nasse. Je vais manger. Du poisson. C'est bon le poisson.
J'ai du sable. J'ai commencé à pouvoir faire du verre, du coup. Construction, agriculture, nas. Ok. Avec tout ça, je vais faire moult briques. Et il me faut du bois maintenant. Oh, niveau 8! Et là, ça fait pause par contre, quand on est dans ce menu. Oh, ça ne s'arrête pas! Super, plus besoin de jouer, le streamer le fait pour moi. Je veux faire du poisson cuit aussi, oui, c'est vrai. Bon, est-ce qu'on avait un truc un peu bière là? Cuisine. Débloque les cocottes, débloque le sucre, débloque la mayo, débloque le fromage. Oh putain, ça donne envie, j'ai faim maintenant. Les fermes rapportent 25% de ressources en plus, les animaux rapportent 25% de ressources en plus, débloque les arroseurs. Ah bah oui, je vais prendre la pêche. Maintenant, je vais pouvoir faire le poisson cuit. Oh, j'aurai la chasse après. Oh, il y a trop de trucs. Trop de trucs. Doudou, doudou, trop de trucs. Ok. On en était à... du bois. Pardon. Je voudrais faire le moulin, du coup. En multi, ça doit être sympathique. S'ils sortent le multi... Oh ! Bah là, je pouvais avoir E, là, pour l'activer. 12 XP. C'est bizarre, je l'avais eu la première fois, le... Ah oui, donc il faut que je fasse cuire mon poisson aussi, maintenant. Dans le fourneau. Et la pelle, on sait pas ce que ça va faire. Des fibres. Yes, bien vu Shiva. Alors. Je suis à 7B, je peux refaire une nasse. On va y aller, hein, vu qu'on l'a boosté en plus. Ah non, il me faut... Ah non, c'est 9B. Je croyais que c'était 7. Tiens, tiens. Allez, trou par terre, faut l'appel. D'accord, merci Kekan. Ça fait... Salut Dolgar, c'est Fabrique de la FID. Bah on essaye. On n'a pas encore trouvé dans l'arbre de talent pour faire de la FID. Comment vas-tu? Putain, 20 000! Bonjour à tous! Ah, c'est, j'avais raison en fait en début de stream, j'avais dit que c'était une journée qui comptait double. On est vraiment le double que d'habitude. C'est fou! Merci! Ah, je refais rien, vous avez rien de mieux à foutre, c'est ça? Incroyable! Ah, il faut pas ça. On n'a pas le temps. Hein. Je viens de craquer d'acheter le jeu, nice! C'est vrai que j'avoue que s'il y a un multi qui sort, ça va être l'angoisse. Hein. Lola Bunny à cause de Pac. Ah ouais, non, merde, c'est vrai. Restez pas, s'il vous plaît. Hein. Finalement, ne restez pas sur ce stream. Si on est trop nombreux, je vais devoir faire un cosplay de Lola Bunny. Donc ne restez pas, s'il vous plaît, finalement. Enfin, merci, Malkavian, la lucidité. Peut-être bientôt que je vais te renlever ton rang VIP, là. Je te sens... Je te sens trop bon. Vas-y, du poisson. Poisson chaud. Poisson cuit. Ça rapporte combien le poisson cuit? Plus 28. Et un cœur. Ah oui, nice. Ça marche bien. Je continue à avoir du bois, ok. Bah ça a l'air plutôt cool en tout cas pour le moment. C'est on voit pas le temps passer. Ça fait déjà, du coup, ça fait combien de temps que je joue? Une heure, c'est ça? Putain, quel enfer. Ça fait déjà une heure que je joue. Hein. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes. La fin de la punition. Alors. Oh, calmez-vous. La gelée, pour le moment, ne sert à rien d'autre. Niveau 9.
Ça fait 10 minutes x 5, c'est ça. Bien vu. Le compte est bon. Maître Renard, le compte est bon. Alors, ici, compétences. Bon, est-ce qu'on... Les pros du jeu, on peut faire de la bière ou pas, du coup, là ? Parce que si on peut faire de la bière, il faut qu'on axe directement vers là. C'est-à-dire qu'économie, on a directement 40 balles qui nous permettent d'ouvrir un resto. Mais surtout... Ah, il y a stockage, ici. Attendez, je vais prendre l'économie. De découverte, ça finit en let's play. Ah, j'avoue que là, on a envie de jouer à ça, hein. On a envie de jouer au jeu vidéo. Ça sent mini let's play en 4 épisodes, hein. Oh, une vache! Bah, je sais pas si je devais la tuer, mais en tout cas, elle m'a donné de la viande. Peut-être que je pouvais... Je sais pas. Faire autre chose que juste la dégommer. Ah oui, eux, je peux pas les... Bon, alors, j'ai moult choses. Oh, je peux refaire des NAS. On en est où? Non, je voudrais faire... Je voudrais faire du charbon. 28 charbons, ça va être bien, ça. Et dessus, il y a des potions et pas de feed pour le moment. Ah. Merde. Et il est sur Switch aussi. Putain, quel enfer. Ah, je pourrais faire un deuxième four au bout d'un moment. Bah, attendez, on va manger autre chose. On va manger des makis. Parce que je voulais faire cuire mon poisson. Il n'y a pas de date. Ah oui, ça va sortir, d'accord, sur Switch. Putain, ouais, Keken, putain, je les tue les vaches ou pas, là? Bon, ça revient, donc... ça a l'air ok. Bon, je voulais faire mon moulin, moi, à la base. Ah, ce genre de jeu où t'avais un objectif et... impossible de s'y tenir, tellement ça se barre dans tous les sens. Et j'ai pas le temps d'attendre. Et tout ce slime que je ne sais qu'en faire. Oui, encore une vache. Les os. Hein. Bon, skip-hop, c'est dépendant du niveau, du coup, ou vraiment de... Vraiment du... De l'arbre de talent. Yann. C'est ça, exactement. Je ferais bien de manger. Bah oui, j'aimerais bien manger, mais... Allez, ouais, je vais pouvoir me faire cuire mon poisson. Mon poisson. C'est parti pour faire du poisson. 10 poissons, nice. Hop. Et 2 poissons cuits, et c'est bon. Ça pop tout le temps. À quoi ça sert de s'expandre si... Enfin, je suppose qu'après on pourra aller encore plus vite. Et comme disait Keken, apparemment on va pouvoir automatiser des trucs. Ouais, c'est ce que je disais, pirate. Arbre de talent plus de ton stuff. D'accord, plus de ton stuff. Okay. Je veux. Construire un truc, agriculture. Attendez, 14h08, putain, c'est déjà une heure. Alors, moulin, il me faut masse bois et il me faut du fil. Il me faut du fil. Fil casse. Ça, c'est du fil. Enfin, bien en devenir. Je cherche du fil. Laissez-moi passer.
Je peux passer? Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Je veux aller au coton, s'il vous plaît. Ah mais non, mais je peux pas péter ça, je suis con. C'est le pilier. Eh, j'aurais pu rester 10 minutes avant de m'en rendre compte. Eh, gros con, putain. Eh, putain! Oh, il m'a fait tellement mal, salaud. Oh, niveau 10! Ce level up qui me fait si peur. Pire jump card de l'univers. Non, je veux pas casser. Je veux pas casser, je veux pas tout casser. Ok. Poisson cru? Poisson cru? Non, poisson cuit. Est-ce que je pourrais cuire mon autre poisson? Et il me manque du bois. Allez, le moulin. Encore deux. Et après, level up. Le moulin. Putain, mais j'ai envie de tout faire. C'est horrible. Il est gigantesque. Waouh. Waouh. Oh, je peux faire des graines de coton. On peut faire trop de trucs. Incroyable. Oh là là, on va pouvoir faire trop de trucs. Quel enfer. Compétences. Bon bah YouTube, on va bientôt s'arrêter. Qu'est-ce que je vais faire? La culture. Système monétaire. Bûcheronnage. Les arbres rapportent 50% de bois en plus. Ah, ça peut être bien, ça. On va prendre ça. Ah oui, merde, stockage. Ah, oh, j'ai pu annuler. Débloque les entrepôts. C'est parti. Ouais, mais vu que j'ai pas de problème de stockage encore, j'avoue que... Donc du coup, maintenant, avec stockage, je peux... faire des entrepôts ici. Il me faut 3 d'acier et des briques. Des briques et des stylos. Ok YouTube, j'espère que tu as apprécié ce premier épisode sur forager. On n'a pas trop ragé encore, j'espère que ça va venir. J'espère qu'on va mourir comme des caca humains. Et on se retrouve très bientôt pour un second épisode pour de nouvelles aventures sur forager. Un jeu qui est très sympathique. Très chronophage. Plein de ramifications. À bientôt YouTube, à bientôt.